Le dimanche 19 novembre 2023, l'honorable Edwige Ogusi Tosa, épouse à Sogba, était à l'église catholique Saint-Michel de Togudo pour témoigner sa gratitude à Dieu et lui confier la mission de sa nouvelle ONG. Enregistré sous le numéro 2023-3575-2P-LIT-SG-SA-ASOC, l'ONG Nouvelle Ère du Monde a vu le jour le 24 juin 2023. La vision et la mission de cette organisation sont grandes. L'ONG Nouvelle Ère du Monde a pour but d'assurer le bien-être des populations à travers l'éducation, les aides humanitaires et l'échange socio-économique dans un environnement sain. La mission de l'ONG Nouvelle Ère du Monde est d'œuvrer à améliorer la condition de vie des couches défavorisées, notamment les enfants, les jeunes, les femmes et les hommes. Notre mission donc, est d'assurer une bonne condition de vie de tous les peuples, de toute la population, ici comme ailleurs, pour que la paix puisse régner dans le monde. Nous allons intervenir sur divers plans, notamment l'éducation, la santé, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la culture et aussi le cadre de vie. Très déterminé dans la lutte pour la défense des couches vulnérables, l'élu de la 10e circonscription électorale compte impacter la population à travers cette ONG. C'est pour booster un tant soit peu le développement de notre localité. Et c'est à ce sens que nous avons créé cette ONG pour pouvoir vraiment aider les couches défavorisées dans nos différentes localités, les couches les plus reculées, pour pouvoir vraiment aider à l'amélioration des conditions de vie de nos frères, de nos sœurs, de la population tout entière. Les parents, amis, partenaires et collègues venus soutenir la députée à l'Assemblée souhaitent à l'ONG et à toute l'équipe un plein succès. <t'->